faire des quand je fais une grande pièce et c'est encore un peu compulsif ou j'ai besoin de fixer quelque chose et que parfois cette chose elle prend tellement de place à l'intérieur que il faut qu'elle soit immense. L'homme oiseau, c'est une pièce que j'ai encore un peu de mal à regarder parce que elle symbolise une période de ma vie qui n'était pas facile. Et c'est comme une forme de cauchemar que j'ai matérialisé. Voilà, c'est comme un cauchemar en métal de 3 mètres de haut. Peut-être aussi ce besoin d'opacifier des choses que j'ai dans la tête qui doivent sortir, qui doivent exister, que j'ai besoin de faire des formes que j'ai besoin de faire exister, peut-être pour encore sentir que j'existe, je ne sais rien. C'est sûrement très... Il y a beaucoup d'égoïsme dans l'art. Le style de vie que j'ai maintenant influence beaucoup mon art. Dans mon atelier, j'étais énormément seule et j'étais complètement obsédée par mon travail. Je travaillais 7 jours sur 7, et du matin au soir, et je faisais rien d'autre, quoi. Je me sens plus inspirée et je prends plus le temps d'observer, regarder ce qui se passe et revenir. Sur un bateau, c'est spécial, c'est très différent que d'être dans une maison. Voilà, c'est un tout petit espace, mais en fait, c'est un espace immense parce que on est beaucoup dehors, à l'extérieur, et on vit avec le temps, avec la Meuse, avec les oiseaux. Et c'est un peu comme dans un rêve. J'ai l'impression... On est tous un peu réfugiés ici, à la bouée, hein, comme on l'appelle. C'est un peu notre bouée de sauvetage, notre petite zone de liberté. Ça, c'est un portrait de Jap qui m'a tatoué mon funambule dans mon dos et... que j'ai tatoué mon voisin. J'aime bien ce portrait parce que on dirait un vieux loup de mer. On manque plus que le cigare, la pipe. Sur ce quai, c'est juste un gouffre spatio-temporel. Une journée discontinue. J'ai commencé par faire une formation technique de travail du métal, donc de ferronnerie. Voilà, j'ai fait cette formation, j'ai été soudeuse pendant quelques temps, et puis j'ai fait des études d'art en France. Pourquoi le métal ? Parce que je suis... tombée amoureuse de l'eau, du bruit, de l'odeur, du fait qu'on peut ajouter et enlever à l'infini. J'essaie d'apporter une certaine finesse et comme une féminité à un matériau qui est très dur et qui paraît difficile à travailler et très lourd. Voilà, j'essaie de chercher l'endroit où il devient vraiment fragile, où les perceptions en fait sont faussées. J'ai la
la chance d'habiter dans une ville très industrielle avec beaucoup, beaucoup de ferrailleurs et de caisses auto. Donc j'ai glané là-bas, j'ai récupéré des tôles d'acier froissées. Et parfois, je rêve que je rouille. Enfin, pour moi, la rouille, c'est vraiment une phobie. Et ça m'arrivait de rêver que je rouillais ou que j'avais une blessure et que je ressoudais ma blessure, comme si vraiment j'étais ce que je travaille. J'utilise les tôles d'une voiture, une portière de voiture crashée. C'est un petit clin d'œil à l'histoire de James Dean qui s'est crashé dans une voiture qu'il avait appelée Little Bastard. Pour l'étude de la sculpture, je dois vraiment m'imprégner de son visage. Là, je travaille avec, commencé à travailler avec les photos que je trouvais sur Internet. Donc voilà, elles sont un petit peu brûlées. Je croque d'abord, je dessine et j'essaye de garder l'énergie, la spontanéité du dessin dans le volume. À l'échelle de la main, je peux avoir un geste qui est très rapide, une ligne très énergique que je vais essayer de garder à l'échelle monumentale. En fait, chaque ligne sera une tige de métal. Pour étudier le visage de James Dean, j'avais besoin aussi de passer du dessin à la 3 dimensions parce que à un moment le dessin ne suffit plus, et puis pour comprendre quelles sont vraiment toutes les petites caractéristiques qui font l'expression d'un visage, j'avais besoin de le faire à cette échelle-là. Parfois c'est très subtil, quoi, c'est juste. Ce qui fait l'expression, c'est très peu de choses. Et maintenant, je commence à tomber amoureuse de James Dean. Et toutes les montagnes de métal que j'ai là, dans le sens où je peux pas déménager seule, par exemple. Donc cet atelier-là, c'est un peu comme une ancre. Rien ne va plus dans la vie. Je sais que je peux aller me mettre sous ma cagoule, me cacher et plus voir personne pendant des jours et laisser mon esprit partir dans la matière.